la veste en cuir. Tout à l'heure, il m'est arrivé un truc fantastique. Pendant qu'on fabriquait nos masques, j'ai touché la main de Venia et j'ai senti comme une étincelle. J'ai tout de suite réalisé que c'était de l'électricité statique produite par le frottement des collants synthétiques de Venia. Oui. Exactement, c'est ça. Si tous les habitants de la planète se frottaient les uns aux autres, on pourrait créer une nouvelle source d'énergie renouvelable. Bonjour, les enfants. Tu as un beau masque, toi, dis-moi. Et ce serait possible de l'échanger contre ma veste en cuir, hein? Eh, mais vous êtes Raoulios le chanteur? Non, tu fais erreur, petit. Je lui ressemble, mais je suis comptable. Allez, ciao! C'est très chic. Oui? Les chacals métalliques! Dites, les gamins, on cherche le chanteur Raoulios. Celui qui a fait cette chanson outrageuse, les motards sont des moches. Il est petit et gras. Où t'as eu cette veste, toi? Hé, hey, Grud, c'est une Blackbird. Je te jure. Elle est chouette. Elle me rappelle ma première veste en cuir. C'est maman qui me l'avait offerte. Maman. Non, hé, hey, rendez-le-moi. C'est mon sac à dos. J'ai pas eu une enfance facile, tu sais. Maman a choisi de m'allaiter au biberon le jour de mes 6 ans. Elle est partie m'acheter des chips. Et elle n'est jamais revenue. Oui. Merci. Depuis ce jour, ma vraie famille, c'est eux. Oh non, pas mon livre de physique. Maman. Oui. Merci. Tu m'as ouvert les yeux, Michel. Je pars retrouver maman. J'ai dit aux gars qu'ils pouvaient compter sur toi. Ils sont un peu perdus quand je suis pas là. Tiens mes bottes. C'est toi le chef maintenant. Salut. Bonjour, chef. Et si on allait mettre le feu à la station essence à l'entrée de l'autoroute? On perd notre temps à rester ici, à rien faire. Excusez-nous, chef, on voulait pas manquer de respect. Non, non, on voulait pas. On connaît pas les bonnes manières, nous. Je crois que les bonhommes blancs, faut les mettre sur les carrés blancs. Bah ouais, c'est logique. J'ai gagné. Mais non. Si, mon cheval a bouffé tes pions. Mais t'as plus de carburant dans le crâne ou quoi? Mon chéri, on est là. Ah, tu as des invités. Elle est à qui la moto garée sur nos géraniums? Oui. C'est une Memphis 320 bicylindres. Je peux l'essayer? Plutôt vendre ma sœur que prêter ma moto. Comment on allume déjà? Ah oui. T'as bien fait, on discute pas les ordres de chef. Bon, je vais concocter un petit frishti, moi. Vous restez dîner, hein? Ah ouais, chef. Celle-là, elle défriserait un chauve. Une Turbo Havana. C'est un peu de la folie, mais... D'accord, Michel, on l'achète. Et de 12. Ouais, des crêpes. Eh, ça décoiffe. Spicius, tu as vu l'heure qu'il est? Elles sont où, tes pantoufles?
Allez, dépêchez-vous, vous allez être en retard à l'école. Voilà pour le diamètre du Scooby-Doo de base. Passons au nombre de fils nécessaires pour sculpter une girafe de 40 cm. Spicius m'a donné l'adresse de son tatoueur. J'hésite entre un tatouage du théorème de Pythagore ou alors de Thalès. Oui. Oui, t'as raison, je peux en faire un sur chaque biceps. Oh, attendez, chef. Hé, hey, toi. Oh. Hé, hey, ça décoiffe. J'aime les crocodiles. Ils savent se faire respecter. C'est vrai? C'est vrai. Je suis sûr que vous pouvez faire de très jolis crocodiles en Scooby-Doo, vous aussi. Prenez des fils. Asseyez-vous. Oh. Dans le domaine de l'art, le Scooby-Doo sculpté est probablement le sujet le plus difficile à maîtriser. Michel, tu pourrais peut-être utiliser un fil moins épais? Bon, ben, fais comme tu veux, c'est très bien. Le grand maître d'Ali Baba disait toujours, si on sait faire des Scooby-Doo, on peut tout faire. Et je suis complètement d'accord avec lui. Je crois qu'on a ce qu'il faut pour ce soir. C'était bien l'école aujourd'hui. Ouais. Chérie, j'ai eu un coup de fil de la banque. On a un peu trop dépensé ce mois-ci. Michel, mon chéri, on va devoir attendre un peu pour s'offrir la Turbo Havana. Ah. C'est pas juste. Il lui faut une vraie moto à chef. Oui. Dormez tranquille, chef. On va juste faire un petit tour, on revient. Oui. Hé, hey, vous nourrissez en régiment en ce moment? Eh oui. Qu'est-ce que c'est? La banque a été braquée cette nuit par une bande de types en chaussettes. C'est terrifiant. C'est une sombre époque, mon ami. En tout cas, si une sauce aventure ici, j'ai pris mes dispositions. Gentil. Sage. C'est pour la Turbo Havana de chef. Et aussi pour les courses. On voulait participer. Vous êtes très gentil, mais on ne peut pas accepter. On a fait quelque chose de mal, c'est ça? Vous voulez plus de nous? Mais non, 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 bien sûr. On a trouvé ça devant la banque. Une bande de motards qui se promènent en chaussettes, ça vous dit quelque chose? Allez, je sais qu'ils sont là. On les voit clairement avec une arme sur la vidéosurveillance. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. Ce sont des amis de notre fils. C'est pas nous, chef. Faut nous croire. Michel est leur chef. Désolée, je l'embarque aussi. Oh. Lieutenant, venez voir ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu, c'est ce que je crois. Vous êtes libre. Vérification faite, vous n'avez pas cambriolé la banque. J'aurais dû regarder la vidéosurveillance plus attentivement. Ce n'est pas une arme que vous avez dans la main. C'est une girafe en Scooby-Doo. Bah oui, on a vendu des Scooby-Doo toute la nuit dans la rue. On voulait gagner de l'argent pour aider Chef et sa famille. C'est adorable. Ce sont eux qui ont cambriolé la banque. La paix soit avec vous. Grude, je vous présente Maman. Elle a donné tous les billets à manger aux animaux du zoo municipal. Maman fait partie d'un mouvement néo-rebelle qui lutte contre le pouvoir de l'argent et le monopole des banques. C'est un honneur de vous avoir dans notre prison. J'ai acheté votre livre. Vous pouvez me faire une dédicace. Je suis une de vos plus grandes fans. Si je peux faire quelque chose pour vous. Alors finalement, le lieutenant Soupe a payé votre caution. Ouais, les gars, on va partir avec Maman et ses amis. Et on va les aider dans leur mission. Oui. Et nos motos? On prend pas les motos. On va mener une vie simple et écologique. Merci pour tout, Michel. On était bien ici. On faisait des Scooby-Doo. Vous pourrez continuer à faire des Scooby-Doo pour nourrir la communauté. Ok. Mais avant de partir, je veux faire un cadeau à chef. Au revoir. Au revoir. Ça va faire un vide. Dans 9 ans, on aura 18 ans et on pourra faire de la moto. Et on pourra appeler notre bande les chameaux magnétiques. Je t'ai donné mon cœur. Toi préféré son moteur.
Pourquoi les femmes aiment toujours les motards? Les motards sont des moches. Les motards sont des moches. Les motards sont des moches.